Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online, donc c'est un gameplay que vous avez déjà pu voir sur une ancienne vidéo que j'ai sortie il y a un ou deux jours je crois, je suis pas sûr. Mais c'est tout simplement parce que je suis parti en week-end, donc là où quand vous verrez la vidéo, c'est-à-dire un dimanche, je ne serai pas chez moi, donc du coup j'ai pas eu le temps de faire un gameplay. Et je voulais vraiment, et j'avais pas trop le temps de faire un gameplay, mais j'avais le temps de faire le commentary. Donc du coup je me suis permis de reprendre le même gameplay, donc du coup j'espère que ça vous dérangera pas. Et du coup voilà, donc on va commencer avec ça, la FAQ numéro 6, la numéro 6, la FAQ numéro 6, donc vous avez été nombreux encore une fois à me poser des questions, vous m'avez encore posé des questions auxquelles j'avais déjà répondu dans d'énormément d'FAQ, donc la musique de mon intro se trouve dans la description, merci cordialement, c'était Virtuose. Non, parce que c'est une question qu'on me pose très souvent encore et encore et encore encore. La musique d'intro se trouve dans la description. Voilà, tout simplement. Bref, on va tout simplement commencer avec la première question. Donc je pense que j'ai une vingtaine de questions encore une fois, parce que beaucoup de questions se ressemblent encore une fois, et c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc évitez cela et regardez mes anciennes FAQ. Donc on va tout simplement commencer avec la première question qui m'a été posée par Stelio le Geek. Quel est ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, je le réalise actuellement grâce à vous, c'est tout simplement d'être youtubeur et d'avoir une communauté qui vous suit derrière comme actuellement vous me suivez. C'est ça, c'était ça mon plus grand rêve. Pour le moment j'en ai pas un autre, mais pour le moment c'est mon plus grand rêve. Merci, encore une fois merci à vous pour les 44 000 abonnés, c'est juste énormissime. Question numéro 2 qui a été posée par Vincent Godefroy. Tu préfères GTA 5 ou BO2? Tu sais ce que tu vas faire si tu vois cette vidéo, tu vas aller, tu vas ouvrir ta fenêtre et tu vas sauter, tout simplement. Non, je déconne. Non, fais pas ça, c'est une blague. Non, mais bien évidemment que je préfère GTA 5 à Call of Duty Black Ops 2, même si Black Ops 2 reste mon Call of Duty préféré. Question numéro 3, que manges-tu le matin? Ah ouais, quand même, question de Tanguy 13470. Alors, qu'est-ce que je mange le matin? Alors c'est assez compliqué parce que des fois, en gros ça dépend ce que je vais faire dans la journée, ça dépend si je mange ou pas. Si je n'ai absolument rien à faire, c'est-à-dire que je vais pas en cours, que je vais juste rester chez moi ou que je vais sortir tranquillou avec des potes, je vais tout simplement prendre un verre de Danao et voilà, c'est tout, fini, déjeuner, fini, je ne mange pas. Mais si dans le cas contraire, par exemple j'ai un examen genre le bac, le code, je sais pas trop quoi, si j'ai des examens, je vais tout simplement prendre un bon petit déjeuner avec du Danao, encore une fois, parce que j'adore le Danao. Le Danao, du pain et du beurre, des céréales Kellogg's, des céréales, moi j'adore les céréales, j'adore les céréales. Et du coup, voilà, peut-être des fois du café, quand il fait froid en hiver, ouais, je prends du café quand j'ai mal à la gorge et quand j'ai froid. Voilà, du café bien chaud, bien fort, yeah. Question numéro 4 qui m'a été posée par Dap. Car est-ce que tu penses que GTA 5 va sortir sur Next Gen? Les glitches d'argent seront patchés? Alors GTA 5 sur Next Gen, oui, il a été annoncé. Alors est-ce que les glitches seront disponibles? Non, étant donné que Rockstar vont sûrement faire un copier-coller du patch. Je ne pense pas que les glitches d'argent seront possibles là-dedans, mais étant donné que le jeu sera nettement différent apparemment, donc c'est ce qu'ils ont annoncé, le jeu sera tout simplement différent, alors peut-être que des glitches feront leur apparition, mais dans tous les cas, on vous tiendra au courant dès la sortie de GTA 5 sur Xbox One, je ferai une vidéo exceptionnelle. Question numéro 5 qui m'a été posée par Momo La Chance. Que fais-tu pendant ton temps libre? Alors pendant mon temps libre, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? J'aide mes parents, je regarde la télé, je sors avec des potes. Voilà, tout ça, tout simplement, j'essaye de réfléchir un peu à des glitches, mais voilà. Voilà quoi je fais, j'écoute surtout beaucoup de musique aussi. Question numéro 6 qui m'a été posée par Frist Swagger. Que penses-tu des gens qui t'insultent sur YouTube et les réseaux sociaux? Je trouve ça tout simplement déplorable et déplorable. Franchement, ça m'exaspère. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps pour faire il y a deux jours pour faire le point sur ma chaîne. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. J'explique un peu ça, histoire de savoir. Mais la communauté, comme je l'ai dit, c'est vraiment beaucoup dégradée.
Elle était beaucoup mieux avant, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube ou même les jeux vidéo. Elle était beaucoup mieux avant. Maintenant, je trouve vraiment qu'elle est trop dégradée et que les gens se permettent n'importe quoi tout simplement derrière un PC. Donc du coup, voilà. Question numéro 7 qui m'a été posée par MickeyGTA. Tu veux faire quoi comme plus tard comme métier? Alors j'aurais bien voulu devenir commentateur ou même faire du montage vidéo. Voilà, tout simplement. Question numéro 8 qui m'a été posée par Khalil Messius. Si tu aurais que 2 abonnés, aurais-tu arrêté YouTube? Non! Non, 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 je n'arrêterai pas. Tout simplement parce que je fais ça par passion. Avoir 40 000 abonnés, 1 million d'abonnés, 2 abonnés, 10 abonnés. À partir du moment où il y a une communauté qui te suit, mais qu'elle soit grande ou petite, il ne faut surtout pas abandonner et il faut persévérer, tout simplement. Voilà, c'est le message du jour de la part de Virtuos. Question numéro 9 qui m'a été posée par Atomic Glitcher. Vas-tu aller à la Paris Games Week? Alors oui, je vais aller à la Paris Games Week. Je ferai une vidéo exceptionnelle. Je vous ferai peut-être gagner des places. Je vais voir, ça reste à voir. Question numéro 10 qui m'a été posée par... je ne dirai pas son pseudo. As-tu... As-tu déjà voyagé au Québec? Non, je n'ai jamais été au Québec. Mes grands-parents, par contre, ont été. Question numéro 11 qui m'a été posée par Noons. Vas-tu acheter et faire des vidéos le rusher de l'extrême sur Call of Duty Advanced Warfare? Alors, Advanced Warfare, non, je ne pense pas l'acheter, mais je vais tout simplement le commander grâce à mon partenariat Gamoniac, histoire de voir à peu près ce qu'il donne. Et si jamais il est bien, bah, je me l'achèterai tout simplement et je vous proposerai du contenu dessus. Voilà, tout simplement. Question numéro 12 qui m'a été posée par Mickey67. À part les réseaux sociaux, as-tu un serveur Mumble ou TeamSpeak pour tes abonnés? Non, j'en ai pas. Question numéro 13 qui m'a été posée par Gamer38. Comptes-tu rediffuser tes lives maintenant ou quand tu auras ton nouveau PC? Alors, le problème, c'est pas mon PC pour les lives. Le PC que j'ai actuellement est, tiens, les lives, il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est ma connexion. Et je ne peux pas gérer ma connexion. Ma connexion est vraiment une connexion de merde. Donc, du coup, c'est le problème avec tout simplement les lives. Voilà, donc c'est pour ça que je fais souvent des lives avec Bad Gameuse. Voilà, tout simplement. Question numéro 14 qui m'a été posée par Matisse Dukens. Feras-tu des concours pour gagner des avers médias, casse, etc. plus tard, par exemple, pour tes 50 000 abonnés? Alors, j'aimerais bien vous faire ça, j'aimerais bien. Mais malheureusement, déjà, j'ai un peu galéré pour pouvoir acheter mon PC. Il m'a coûté 800 € et encore, j'ai pas toutes les pièces d'acheter. Il m'en manque encore une et elle va me coûter encore 100 €. Je peux pas le monter encore, mon PC. Donc, du coup, il faut que j'attende. J'économise depuis pas mal de temps. Et du coup, voilà, si j'ai l'occasion, bien évidemment, je vous ferai gagner des choses. Si jamais je passe partenaire avec un petit Avermedia ou Elgato, bien évidemment que je vous ferai gagner des choses. Question numéro 15 qui m'a été posée par Lan Latskar. Préfères-tu chercher la merde ou ne rien faire? Alors, chercher la merde, c'est un mot assez vaste. Si jamais j'ai un problème avec une personne, je vais pas chercher la merde, je vais tout simplement essayer de faire comprendre à cette personne qui a un problème et je vais essayer de m'expliquer avec. Je suis pas vraiment une personne qui va chercher la merde, je cherche beaucoup à m'expliquer et je cherche souvent à comprendre pourquoi les personnes font ça. Voilà, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de problèmes et j'aimerais bien savoir pourquoi les personnes font ça, ouais, tout simplement. Je peux pas être plus précis. Question numéro 16 qui m'a été posée par Scorpion. Donc il y a 3 questions. Quel est ton meilleur véhicule sur GTA? Alors pour moi c'est la Caméléon. Quelle est ta meilleure arme sur Black Ops 2? Donc ça sera la Fall. Et tu joues sur Clash of Clans? Alors non, je ne joue pas à Clash of Clans. Désolé, je joue à Dragon City par contre de temps en temps quand il y a les cours, voilà tout simplement. Question numéro 17, ta boisson préférée? Monster. Question de Belly 432. Donc c'est la Monster, voilà tout simplement. Question numéro 18 de Hag Audi. Parles-tu couramment anglais sans Google Translate? Non, je suis très très mauvais en anglais, je m'améliore de jour en jour, mais je suis vraiment très très mauvais. Donc le mieux c'est de parler français avec moi, voilà, parlez pas anglais, français ça devrait suffire. Question numéro 19 qui m'a été posée par At... Ok, on va l'appeler BL. Quels sont tes 5 jeux préférés? Alors GTA 5, SimCity, Black Ops 2, Minecraft... Et le cinquième, Forza. Non, non, je refais. GTA 5, SimCity, Forza, Black Ops 2 et Minecraft. Voilà, tout simplement. Et question numéro 19, connais-tu Booba? Si oui, tu l'écoutes souvent? Alors non, je n'écoute pas Booba. Et oui, je connais. Mais comme je l'ai dit dans une ancienne FAQ, je n'écoute pas de rap. Je
Je supporte pas ça, j'écoute plus de l'électro et de la dubstep. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir répondu aux questions que vous attendiez. Vous pouvez en reposer encore une fois dans l'espace commentaire, il n'y a aucun souci. Nous, on va se retrouver dans deux prochaines vidéos. Vous pouvez la liker, la partager. On se retrouve dans deux prochaines vidéos sur GTA 5 ou Call of Duty. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.